À Flers, la trêve des confiseurs joue les prolongations. Le stationnement gratuit pendant les fêtes va durer encore quelques jours, le temps de remettre les eurodateurs en service et de pouvoir appliquer la nouvelle tarification décidée par la municipalité. Flers a choisi de réduire l'amende pour non-paiement de 17 à 15, voire 12 euros, avec un objectif clair, valoriser l'attractivité du centre-ville. Il faut arriver à faire cohabiter les intérêts du commerce, les intérêts des résidents, la fluidité de la circulation en ville et la sécurité. Et nous avons accru le nombre de places de stationnement. Nous ne pouvons pas avoir une politique de rejet de la voiture. Avec une zone de chalandise de 90 000 personnes, l'enjeu est important pour les commerçants du centre-ville de Flers. Certains d'entre eux réclament même la gratuité totale du stationnement. C'est toujours mieux quand c'est gratuit. On a le mois de décembre à Flers qui est gratuit pour les gens qui viennent se garer. Et les gens sont contents et ça fonctionne bien. Et ils sont plus détendus, ils ont plus de temps pour faire leurs courses. Et il n'y a pas ce stress du ticket, du PV qui va arriver derrière. L'angoisse du PV, même moins cher, va donc persister chez l'automobiliste qui salue le geste de la mairie tout en rêvant d'un monde sans parcmètre. Eh bien, c'est très bien. Mais le mieux, ce serait de ne pas en avoir du tout. Voilà. Il y a des mairies dans les grandes villes qui ont complètement enlevé leur stationnement. Hein. Pourquoi pas nous? Peut-être qu'un jour à Flers, monsieur le maire le fera. Peut-être, en effet. En attendant, la mairie va débourser 100 000 euros pour la modernisation de ses 25 eurodateurs.